Trouve une position confortable, soit assis, soit couché. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et la peau du visage. Relâche la mâchoire. Détends la bouche, les lèvres. Détends la langue, la gorge, détends la nuque, les épaules, bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Inspiration et expiration ont la même longueur, ou une des deux phases est naturellement plus longue. Prends note. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre sans pouvoir changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur? Observe. Prends note. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et crée une respiration liée entre inspiration et expiration. Pas de pause. Inspire, tout de suite après, expire, tout de suite après, inspire. Élimine les pauses. Dès que tu arrives à la fin de l'inspiration, tout de suite, expire, sans attendre. Dès que tu arrives à la fin de l'expiration, sans attendre, inspire. Même si ça veut dire que tes poumons ne vont pas se remplir ou se vider complètement. Force la transition entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Inspire, expire. Inspire, expire.
Encore trois respirations. À la fin de la troisième respiration, continue la technique, mais avec la bouche. Inspire, expire. Élimine les pauses. Inspire, tout de suite après, expire. Tout de suite après, inspire. Tout de suite après, expire. Pas de pause. Élimine les pauses. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Pas de pause. Élimine les pauses. Laisse sortir toute sorte de tension. Loin, inspire, expire, loin, inspire, expire, loin, lâche prise. Même s'il y a des sensations intenses qui remontent en surface, tu es en sécurité. Inspire, expire, inspire, expire. Tu es en sécurité, tu n'es pas seul. Inspire, expire. Inspire, expire, lâche prise. Inspire, expire, inspire, expire. Pas de pause, élimine les pauses. Même s'il y a des sensations au niveau des mains, au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau de la tête, tu peux avoir des sensations de légèreté au niveau de la tête. Tu peux avoir une sensation de froid. Tu peux avoir des fourmis au niveau des mains, même des crampes. C'est tout à fait normal. Aie confiance dans la technique. Lâche prise. Inspire, expire, inspire, expire, lâche prise, tu es en sécurité, lâche prise, inspire, expire, inspire, expire, même s'il y a des sensations très intenses, inspire, expire, même si ton corps il bouge tout seul, inspire, expire, inspire, expire, pas de pause, élimine les pauses, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Si tu as besoin de fermer la bouche juste pour quelques instants, n'hésite pas. Mais dès que possible, reviens à la technique avec la bouche ouverte. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Lâche prise, tu es en sécurité. Inspire, expire, inspire, expire. Lâche prise, lâche. Prise, vas-y, les derniers instants, inspire, expire, inspire, expire, lâche prise. Même s'il y a des sensations intenses, tu peux les regarder, mais continue la technique, aie confiance dans la technique, aie confiance en moi. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, lâche prise, lâche prise, lâche tout. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire et lâche la technique. Reviens à une respiration libre. Observe ton corps. Revenir à la calme. Observe ton cœur se calmer. Ta respiration se calme. Tout devient calme.
Et détendu, petit à petit, observe ton corps et ton côté mental revenir à la calme. Calme, détendu, légère, en paix. Tu es dans ton endroit de paix, dans ton endroit à toi, l'endroit où rien ne peut arriver, l'endroit où tu es toi-même, pas de masque, pas de préoccupation, pas de pensée, qu'est du bonheur. L'endroit à toi, c'est toi qui décides qui peut rentrer à l'intérieur. C'est toi qui décides tout. Tu es calme et détendu. Tu te sens bien. Tu te sens en paix. Autour de toi, le panorama est magnifique, majestueux. Tu adores les couleurs que tu es en train de voir maintenant, cette sensation de paix et de tranquillité. Et juste tout ce qu'il te faut en ce moment. Devant toi, il y a un petit chemin. Ce petit chemin est rempli de petits cailloux blancs, tout ronds, tout jolis. Tu marches dans ce chemin et même si ces petits cailloux sont jolis mais ronds, sont extrêmement stables. Marcher dans ce chemin est très agréable. Tu as même l'impression que ces cailloux ne sont pas du tout des cailloux. Ils sont comme des petites nuages blanches qui te soutiennent complètement, t'enveloppent même, mais te permet de marcher agréablement dans l'insolence absolue. Tu continues à marcher dans cet chemin si bizarre et tu continues à regarder autour de toi comme d'hab pour observer chaque petit aspect de ton voyage. Les couleurs, les éléments, température, bruit, chaque petit élément. Assez loin de toi, tu entends un bruit de rivière.
cette bruit de rivière t'appelle. Tu aimes écouter le bruit des rivières, le passage de l'air, de l'eau avec les cailloux. Ce bruit te détend. Et donc, tu continues à marcher le long de ce chemin en t'approchant petit à petit à ce bruit. Le bruit de loin, il devient de plus en plus présent, mais tu n'arrives pas encore à voir la rivière. Il y a plein d'autres éléments dans ton voyage. Mais étonnamment, il n'y a pas de rivière à côté de toi. Tu continues à marcher, petit à petit, jusqu'à quand le bruit est très puissant. Mais encore, autour de toi, tu n'arrives pas à voir cette rivière. Mais dès que tu regardes vers la gauche, tu as l'impression qu'il y a un autre petit chemin et descend dans un sort de trou dans la terre. Et oui, c'est depuis là que le bruit sort. Donc tu sors du chemin blanc pour prendre ce petit chemin presque difficile à voir. Tu descends dans cette sorte de grotte au milieu de nulle part. Dès que tu descends, la lumière va disparaître assez vite. Mais le bruit de la rivière est très présent. Et en plus de ce bruit de rivière, il y a aussi un bruit plus fort. Le bruit d'une cascade. Tu continues à marcher dans le noir à l'intérieur de cette grotte. Le bruit devient de plus en plus fort. Et devant toi, assez loin, tu vois une petite lumière. Tu marches un peu plus vite pour te rapprocher à cette lumière. Cette lumière bleue devient de plus en plus grande. Et là, tu te rends compte, plus tu t'approches, plus le bruit de la cascade devient fort. Tu es à l'intérieur de la cascade. Et là, tu te rends compte que cette lumière bleue est simplement la lumière du soleil qui se passe à travers cette cascade.
L'eau de cette cascade est bleue, un bleu profond. Le bruit est très fort. Même si, dès que tu regardes l'eau descendre, tu n'as pas l'impression que cette cascade soit une cascade très haute. Tu as presque envie de te mettre directement sous le jet de l'eau. Tu t'approches à cette eau bleue mais dès que tu arrives très proche de la cascade, tu te rends compte qu'il y a un petit passage sur la gauche. Tu prends cette petite passage et là, la vision de la cascade te coupe le souffle. L'eau est effectivement bleue, un bleu profond. Et cette bleu sort directement du rocher et crée un lac d'eau calme au pied de la cascade. Autour du lac, il y a des arbres verts, pleins de vie. Il y a des oiseaux, des papillons. C'est vraiment un endroit de paradis. Tu es devant la cascade maintenant. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de danger à s'approcher à l'eau. Et donc, tout simplement, tu mets les pieds dans ce lac. Et tu marches petit à petit pour t'approcher au pied de la cascade. Cette eau bleue a une température très agréable. Tu décides de te mettre directement au milieu de la cascade, vu que la force de l'eau n'est pas si dangereuse que ça. Au contraire, tu as même l'impression que l'eau il te caresse. Tout simplement la peau. Tu restes là, sous cette cascade bleue, et tu as l'impression que cette eau soit un eau magique. Une eau qui te protège.
fermes les yeux, mais tu arrives à visualiser que cette eau, elle crée une sorte de boule de protection autour de toi. Plus tu restes là, plus cette boule de protection devient grande. Même la couleur de cette boule de protection devient de plus en plus intense, de quasi transparente devient comme la nuit. Tu arrives à voir tout plus clairement depuis cette boule. Mais oui, tu sens que cette boule, elle peut te protéger de tout ce qu'il y a de négatif dans ta vie normale autour de toi. Profite encore pour quelques instants de cette eau de protection et visualise pleinement cette boule puissante de protection que tu as créée autour de toi. Même dès que tu bouges, pas seulement de la cascade, mais aussi du lac, la boule de protection reste. Maintenant, il fait partie de toi. C'est toi, seulement toi, qui décide lesquelles énergies, lesquelles informations, lesquels éléments peuvent rentrer à l'intérieur de la boule. Les derniers instants, enregistre et profite au maximum de ces derniers instants. Très, très doucement, à ton propre rythme. Inspire profondément et expire en soupirant pour 3 fois. Avec chaque expiration, ramène la conscience dans ton corps. Et quand tu veux, quand tu es prête, ouvre très doucement les yeux et reviens dans le ici et maintenant.